Recherche de fuite sur réseau d'alimentation eau chaude. Trace d'humidité ici sur le mur du séjour. Dans le cellier, on a également des traces d'humidité, le papier qui se décolle, le mur humide. Et ici la peinture. On a la peinture ici sur les boiseries décollées. Traces d'humidité également sur les murs. Donc test à l'aquaphone, donc qui n'a rien donné de concluant à cause des tuyaux d'alimentation du chauffage collectif qui génèrent donc trop de bruit. Test au gaz traceur, donc micro fuite, vraiment toute petite fuite qui n'a rien donné non plus de concluant au niveau du gaz traceur. Et